Ce résumé vous est proposé par Nissan. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. C'est étonnant de voir Nacho pousser si haut sur le côté gauche. Déjà en début de match, il avait une position particulière, Vincenzo. Il faudra qu'on y revienne et qu'on s'y intéresse. On va voir ce que ça peut apporter, ouais. Si ça va durer surtout. Hazard avec une première frappe, une première possibilité et un pénalty sifflé en faveur du Real. Je vous en parlais à l'instant de la position de Nacho. Il a continué sur sa lancée, mais je crois qu'il y a vraiment une volonté de le faire monter si haut. Il le prend. Il veut armer sa frappe ici, il peut pas, il est un peu contré par les pieds de Barella. Le pied gauche va taper le pied de Nacho, effectivement. Ouais. La concentration du numéro 7 de la Maison Blanche. Les recommandations d'Anthony Taylor. Il doit garder, vous le savez, un pied sur sa ligne de but, Handanovic, qui est grand, qui prend de la place. Hazard s'élance et marque. Eden Hazard fait 0-1 pour le Real Madrid. Un but capital pour notre Diable Rouge et pour les Merengues. Ah oui, et ça, c'est un mauvais ballon là pour Hazard. La récupération de deux gardes. Bien joué de la part du médian offensif. Eden Hazard avec le dribble sur Vidal. Modric, Unodou, et vous l'avez entendu, la frappe de Vázquez. Oh, le poteau! Il était resté de marbre là, Handanovic. Magnifique, hein. Frappe pure, pratiquement sans élan. Ils ont encore bien réussi à contourner le bloc interiste. Hein. Et c'est comme ça depuis le début de la rencontre. Eden Hazard qui s'infiltre, qui frappe. Le voilà, il suffisait de le dire et de le demander. Repoussé par Handanovic. Oui, il s'excuse, il aurait pu centrer, mais enfin voilà, Handanovic, c'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté sur ce ballon. Ouh, mais en attendant, ça va revenir chez Vidal. Attention de ne pas commettre la faute. Est-ce que c'est pas la même action, ouais. Ça, je sais pas si Vidal frappe dans le terrain ou... Est-ce que c'est pas Varane qui frappe dans le chilien, là? C'est pas Modric qui est avec lui, Vincenzo? On va voir. Je crois que c'est Modric. En attendant, il prend un carton, Vidal. Oh là, attention. Ouh, ouais. Oui. Attention, il va en prendre. Ah bah voilà, il est dehors. Mais enfin, c'est infernal, celui-là. Mais quelle bêtise! C'est pas possible. Mais il a touché l'arbitre, hein. Vous connaissez le règlement, mais il a été... Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais outre les paroles, il y a les gestes. Hein. C'est pas mal, hein. C'est plus un gamin, il fait ça, ça fait des années. Qu'est-ce qu'il va torse contre torse avec l'arbitre? Allez, t'as rien à gagner, de toute façon. C'est... C'est le jeune Rodrigo, hein, qui remplace Mariano Diaz. Vous l'avez vu aussi, donc deux changements en même temps là pour Zizou, qui apporte de la fraîcheur. Vázquez. Oh, c'est pas mal et c'est but. Premier ballon. C'est incroyable. Hein. Il a une patte de lapin, Zizou. Premier ballon touché par Rodrigo. Oui. Il vient de monter au jeu. C'est littéralement sa première touche de balle. Hein. Oui. C'est 0-2. On l'a dit en même temps que ça allait de but sur le centre, parce qu'il arrive parfaitement, complètement libre au second poteau, en deuxième zone en tout cas. Yes, le sens du timing de Zizou pour effectuer ses changements. Barella, tout de suite, pris par Modric. Qui le disait dans la presse espagnole, je me sens bien, j'ai de bonnes jambes. Hazard aussi. Avec cette frappe, il en avait inscrit un superbe, rappelez-vous. Oui. Deux buts face à Huesca, du pied gauche. Oui. Attention. Oui, avec le jaillissement là et l'anticipation de Vrij. Ouh,
Elle était pas mal cette frappe et Courtois un petit peu irrité par le manque de, d'activité et la passivité de ses défenseurs là sur cet essai de Perisic. Oui. On va voir ici, on va voir ici sur cette action offensive, ça peut-être, ça devrait mieux lui convenir. Perisic, Carvajal, il est là. Ouh, Lukaku, ça passe à quelques centimètres de son pied là. Ce résumé vous a été proposé par Nissan. Et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.